Salut tout le monde, on est de retour sur Inside. On est à la file indienne avec nos amis zombies. Il y a un chien qui nous a repérés, fuyons! Fuyez, pauvre fou! Ah! Bon, je suis mort. Je suis pas mort, très bien. Voilà, cette foule qui a assisté au spectacle et qui n'a rien fait. Waouh. Faut fuir. Raté, mon cher ami. Ah, un ami zomblard. Est-ce qu'il peut tomber et le taper? Non. Ah, mais ouais, tu vas pousser le chariot. Qu'est-ce que c'est que cet univers? C'est quand même cool, en tout cas. Puis j'aime bien tous les détails en arrière-plan. Des fois, on voit des personnages circuler ou quoi. Alors, donc, je suppose... Attends, je vais tomber là-dessus. Attends. Non, attends, le zombie continue. Attaque. Ok. Ok, donc ça ouvre ça. Donc, on va y mettre la caisse. C'est ça. Même si je mets la caisse, comment moi je fais... Je télécommande Zombinax. À moins que... Attends. Attends. Puzzle. Donc attends, déjà on va la remettre en dessous pour pouvoir commander Jean-Michel. Jean-Michel zombie, il est là, hop. Salut. Donc est-ce qu'il faut qu'il passe de l'autre côté? Ouais, mais c'est pareil si j'active le truc. Attends. Là c'est ouvert. Mais il faut que je le commande en fait, faut que je... Attends. Bonjour Zombinax. Si, attends, ouais, est-ce que le chariot... Mais non, il sera pas bloqué ici. Là, yeah. Attends, pas trop... Oh. On se calme. Voilà, ici. Non, attends, j'ai... Si, c'est ça, parce que là je peux remonter ici, d'accord. D'accord, ok. Vous allez voir, c'est très, très, très clair, très limpide, voilà, tac, c'est ouvert, et là, je peux réaccéder à Cérébro, et repiloter mon ami, mon copain zombie, pop. D'accord, ok. Donc, ouais, je suppose que là-bas c'est bloqué. Évidemment. Donc il faut que je me descende ici. Tac, hop. Le zombie est bloqué. Ah, mais on peut pas descendre les escaliers, ouais, en fait. Ouais, c'est que... Ouais, non, tombe pas, Billy. Y a pas de la gestion de profondeur. Ah, mais il y a un interrupteur là-haut. Attends, hop. D'accord. Ok, mais voilà, si je bouge, qui bouge le chariot? Si je descends, il tombe. À moins que je saute de l'autre côté. Attends. Mais là, c'est le même problème, et même là, je peux tomber dans le vide. D'accord, donc là, on est arrivé au stade où c'est des énigmes casse-pieds. Ben je crois, je sais pas, pour ceux qui ont fait le jeu, à mon avis, ils vont trouver ça super simple. Attends, moi, il y a un Cérébro ici. Mais si, attends, est-ce qu'avec un zombie, on peut prendre Cérébro aussi? Oui, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un autre... Oh, d'accord. Waouh, c'est méta, là. C'est zombie qui contrôle zombie. D'accord, est-ce que je peux... Eh, évidemment. Ok, ben cool. Voilà. Ouais, voilà, c'est de l'art contemporain, c'est une exhibition, une performance. Voilà, c'est une métaphore sur notre société, voilà, des zombies qui sont attachés à des lustres Ikea. Non, attendez, plus sérieusement. Ah bah oui, attends.
Voilà. Parce que si on perd le contrôle de Cérébro, lui il peut tomber sur la plateforme mais pas dans le vide. Donc attends, on va déconnecter. Donc les deux sont déconnectés. Et si je saute avec lui, je reprends le contrôle de lui. Voilà. Mais je peux pas remonter. Je peux passer par en dessous ou pas? Est-ce que... Oui, ça passe. Ça passe. Ok. Donc là, comment? Il faut continuer sur la gauche ou sur la droite? Ah non. D'accord, si je relâche, ça tombe. Ouais, mais c'est dangereux. Attends, si le gamin il tombe d'en haut, je vais décéder. Attends. Là, on va le mettre un peu plus au centre. Voilà, ça sera bien plus malin que se laver les mains. Je vais sans tête. D'accord. Donc, attends. Donc là, je fais bas. Non! Spring! Voilà. Je suis brisé le col du fémur. D'accord. On va mieux le gérer. On va prendre en compte le fait que la plateforme s'ouvre par la gauche. Voilà. Ça, on aura plus de mou. Voilà. Les ouvriers en bas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on regarde pas vers le haut? Youp! Et là, ça passe. Yes. Les phases aquatiques sont très très jolies, ma foi. Oula, oula, oula. Petite vibration dans la manette, ça veut dire noyade imminente. Non. De l'autre côté. Continue, on évolue. Mais j'aime bien quand même, ça je l'avais dit sur l'épisode précédent, le fait qu'on te laisse, on t'abandonne dans ce monde et c'est toi qui dois un peu découvrir ce qui s'est passé par rapport à l'histoire et tout, parce qu'il n'y a pas de codex, de petites fiches à lire. Parce que moi ça dépend des jeux, des fois j'aime bien tout dévorer ou des fois j'aime juste me laisser porter par l'ambiance quoi. Ah ouais, non mais là ça craint, je sais pas où je vais, pourquoi? Attention, pas noyade. Là, on peut pas, on est d'accord. On peut pas, il y a un passage ou pas? Non. Oh, ça sent la noyade. Oh, ça sent la noyade. Oh, tout va bien, tout va bien. Ah, ça doit être ça. Bah oui, level design, tout ce qui est en rouge. Yeah, oui! Je suis en train de me noyer! J'ai le hockey! Tout va bien. Ah ben voilà! Plateforme amovible. Formidable. En fait, je sais pas ce qu'ils ont dans le studio, mais c'est quand même très similaire à Limbo, quoi. Enfin, je veux dire. La patte, enfin le gamin qui est un peu perdu, qui évolue dans un monde très sombre, dark, où il y a sans cesse des menaces. C'est quand même pas trop la joie. Je pense qu'ils ont eu une enfance difficile. Les développeurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'eau qui a baissé? Ah, attends, j'ai ouvert un truc. Non, il n'y a plus d'eau. Pas prendre le vélo. D'accord. Et on appuie, d'accord. Ok, donc là on enchaîne les puzzles. Là je peux pas sauter dans l'eau, je peux pas le choper ce truc. Il n'y a pas une plateforme. Attends, là, mais là, on va aller là sur le rebord. Sur le rebord, peu peu peu. Et nous revoilà dans la salle de commande. Très bien. Je peux rien faire d'autre. Peut revider le truc, d'accord.
Merci. Attends, mais y a pas une palette Attends, il y a la porte ouverte là-bas, donc il faudrait... Attends. Attends que j'y arrive. Ah, ah, ah! C'est ça ou pas? C'est peut-être ça. Je sais pas, attends. On va essayer de... Je peux y accéder au truc sans me noyer? Voilà, on allume. Avant que l'eau se vide! Non, j'ai complètement raté l'activation. Et je vais me noyer, je me suis noyé. Ah. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà, vide la flotte. Non, c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors, hop. On active. Allez, allez. Ah bah non, mais là, il va se fermer fatalement. Ouais. Non, il faut le faire au vidage du bassin. Voilà. Voilà. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Oui. Yes. Yes, yes. Du coup, c'est bloqué ici aussi. Oula. C'est que ça va m'écraser, c'est quoi? Bon, visiblement, c'est léger. Ah, bah, ça... ah, mais ça va servir de... De radeau, je suppose. Voilà, oh là. Ouais. Beaucoup de puzzles dans cette partie. Moins de chiens qui essayent de nous niaquer. Voilà, voilà. Et les choses s'assemblent très bien. Regardez, là-bas au fond, on voit des silhouettes à se déplacer. Ah, mais c'est le métro, le train. Aucune idée. Pour l'instant, la ville, ça ressemble à une espèce d'énorme usine. Ah là 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 là. Ah, j'aime pas ça. Les phases d'infiltration sous la lumière. Là. Attends, hop, hop, on va passer. D'accord, on va rester dans l'ombre du tuyau. C'est ça, qui bouge en plus. Putain, j'aime pas ça. Attends, hop. Faut tourner, 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 tourner. Ah, attends, attends, attends. Ah. Non, non, non. Elle m'a poussé, madame. La lumière, elle m'a poussé dans le vide. Voilà, on y va. Patience. Et maître de sûreté. Oula, oula, oula. Pas trop rapide. Là, restons dans l'ombre. On va attendre que, voilà, le spot nous passe au-dessus. Hop. Et rouli, roula, rouli, roula. Hop, reviens dans l'ombre. Parfait. Hop, on revient et on peut le finir ou pas, je ne sais pas, on va jusqu'au bout. Allez, mouline, 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 mouline. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Si. C'est ouvert de l'autre côté, yes. Et ça continue et ça continue. On va y aller juste après, on va y aller juste après, voilà. Allez, go, 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 il y a un tuyau aussi. Profitons du tuyau, on va temporiser. Il y a une trappe là-bas. Il y a une trappe là-bas. Il y a un train qui passe à côté, c'est un peu hypnotisant. On reste à la lisière. Hop, tac, 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 tac. Mais pourquoi t'as pas ouvert? T'es nul ou bien? Oh là 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 là. Ah mais il ronfle en fait, il dorme. Ok. Ok. Allez, pas de bêtises. Voilà, on passe, on attend que celle-ci se cale. Et on va essayer d'ouvrir à la première poignée.
Voilà. Allez, pas de bêtises. Hop. Assomme. Il n'y a rien ici. On continue. Non, on peut pas aller là. Obligé de descendre. Hop, sur la chaîne. On est dans le métro. Un wagon complètement échoué. C'est super cool, j'aime bien cette ambiance. C'est trop dark. Y a rien. Je suis toujours à l'affût, j'aime bien fouiller les zones pour essayer de trouver des trésors, des machins, des trucs. Mais il n'y a pas trop ça en fait dans le jeu. D'accord. C'est des égouts ou c'est le métro? Ou c'est les deux? L'électricité, faut pas marcher dans la flotte peut-être, non? Je sais pas. Oula, c'est quoi ces cris? Encore des clubs, oh là là, mais... De l'eau des chiens, de l'eau des chiens, on s'éclate. Ah mais j'aurais... délicieux, hein? Allez, on coupe. C'est pas grave, c'était un petit contretemps, on va y arriver. Non, j'aurais pas le temps, j'aurais pas le temps, j'aurais pas le temps. Ah! Il va pas me suivre, il va pas me suivre quand même. Il me suit! Il me suit! Cross-up, tac tac tac, esquive. L'esquive canine. Allez, 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 allez. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Oui! Oh mais c'est pas vrai! Perché! Ok. Ah, ils peuvent faire le tour! Ah! Gang, 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 gang! D'accord. Ok. Dégoûtant. C'est chaud à développer quand même. Ah, c'est pas mal. Il faudrait plus travailler le, les coups de mâchoire sur le visage de l'enfant. C'est ce que les gens aiment bien dans les jeux vidéo. Allez, bon. Première planche. On fait pas plus, on fait pas plus. On fuit. Olé. Olé. Et on lâche la vachette. Hop là. Pas trop faire l'idiot. Raté, raté, chers amis. Allez, 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 allez. Oh le stress, le stress, oh le stress, oh le stress. Oh le stress. Raté. Allez. Perdu. Allez, allez, je peux passer? Oui. Bon réflexe de faire tomber ce meuble, ce carton ou je sais pas quoi. Ok. Ok. Je suis en mode découverte là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des mecs. Oh. Non, 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 je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Raté. On va attendre qu'il fasse le truc, mais il est trop beau ce bathyscaphe là, cette bathysphère. Je vais rester dans l'ombre, peinard. Mais où on est là? Allez, voilà, on en profite, on en profite. Ils sont de dos, ils disent des bêtises. Eh, hey, t'as vu Game of Thrones hier soir? Et franchement,
Hop. Yes! Oh, c'est trop cool! C'est trop cool! Est-ce qu'on peut tirer des trucs avec ou pas? Ah! D'accord. Ça clignote, ok, il y a une espèce de cooldown. C'est une espèce de dash. Ok. Zbam! Mais c'est trop trop cool. Ah voilà, donc là il y a des planches pourries. Non, je peux pas passer à travers. Bah, on va utiliser ce. Ah, c'est trop cool. On se sent tout petit là. Je vais où? Suivre la lumière. Ah, d'accord, le mur il est craquelé. On va en profiter pour faire un super dash. Splame! J'ai bien aimé le changement de. Comment de caméra en fait. Le plan qui est beaucoup plus rapproché dès qu'on franchit le mur. Très très cool, je trouve. Une très bonne astuce de mise en scène. On peut passer là? Ouais. Là, c'est la découverte absolue, quoi. Ah, refissure. Sbram! Attends, on va attendre que ça recharge. Sbram! Il faut la péter en entier, c'est ça? Sbram! Allez! Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Ce mur est trop puissant pour vous! Hop! Ah, il faut la péter intégralement, c'est ça. Il reste un petit bout. Ah, raté! Non? Ça fait rien? Pichenette. Eh ben, c'est pas ça qu'il fallait faire? Ah ben oui, ça veut dire que je peux passer avec le gamin, mais pas avec le la bathysphère. Et oui. Donc il faut que j'ouvre la porte et que je fasse monter le niveau d'eau, je suppose. Ok. Challenge accepted. Il va pas choper des maladies, des saloperies. Il y a des rats et tout dans les égouts. Ça va être ça la fin en fait. On réussit à s'échapper, mais. Le gamin il va choper une vieille peste ou un truc comme ça. Ok. Très joli. Wow. Pour faire ça, non? Non, il fallait pas. Il fallait. Si! Voilà le coup de la cour de linge, ça c'est fait. Donc voilà, nota bene, ne pas perdre de temps avec la trappe et continuer. Voilà. Vous ne mourrez pas. Hop. Ils m'ont pas shooté dans l'eau. Tout va bien. Du coup, c'est ouvert, on peut repasser, je suppose. Les sifflements, c'est les rats, ça, ouais. Une ambiance délicieuse, Center Park. Passez vos vacances en famille. Ok. Wow, qu'est-ce que c'est, ça? C'est de la forêt maintenant? Mais c'est ouf! C'est une plantation. Je peux pas. Attends, ça il faut tirer. Continuons.
Ah, il y a les mêmes cuves là qui me sont tombées sur le coin de la tronche. Puis le petit détail, on voit une portière, une porte s'ouvrir en fait. Donc, c'est des cuves qui devaient contenir des gens, en fait, je sais pas. Et là, il y a un mur, une imitation avec des barbelés quoi. Donc, c'est bizarre, une espèce de camp d'internement en forêt. C'est très très énigmatique. D'accord, ça va péter? Wow! Oh. Attends, oui, non. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Aïe. Sweet, sweet. Oh. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Ce serait bien de rencontrer un visage un peu humain, chatoyant. Hop! Faut passer de l'autre côté, faut faire du Tarzan. Hop là! Ah ben voilà! C'est ma bathysphère en bas, d'accord. Là, c'est de la flotte, je peux sauter. Geronimo! Du coup. Mais. Ah ouais, non, mais j'ai pas monté le niveau de la flotte. Je fais comment? Oh, oh, oh. What the heck? C'était quoi ça? Je sais pas, moi je suis dans mon sous-marin, j'ai peur de personne. Et je peux mettre un gros coup de tatane. Ah, bien vu, bien vu. Voix de personnage bizarre. On va essayer. Attends, est-ce que ça marche? Ça serait pété, mais ça serait cool. Attends, voilà, charge, charge. On va essayer de. C'est oui. C'est presque ça. Ah mais oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Non, 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 mais rentre dedans, hein, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, tu te mets en position. Oui, plouf. Parfait. Eh ben voilà. Nickel. Ah ouais, ces conteneurs là. Il doit y avoir des expériences. Attends, on va faire un dernier stomping d'Azé. Voilà. Ok, ok. Attends, on peut passer par là. Les portes rouges, j'arrive à les bourrer. D'accord, ok. Ça, c'est un interrupteur. Je ne sais pas. Oui, non, on bute là-dessus. G. Boum, tiens le G dans ta tête. Ok, là faut peut-être utiliser l'interrupteur à côté. Avec le gamin. Bon, je pense qu'on a, on a bien progressé. On va se mettre au-dessus. Il est par là? Il est où? Je pense qu'il est par là. Voilà, on va se dresser fièrement sur notre bathysphère. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous pour les barbus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre petit let's play estival sur Inside. Parce qu'on aime bien ça, les aventures glauques avec des petits enfants en été. C'est ce qui fait plaisir. Allez, bisous, salut!